Lorsque je parlais aux différents étudiants qui étaient venus étudier ici, ils avaient des étoiles dans les yeux à chaque fois qu'ils me parlaient d'Anatoline. Cette expérience à Anatoline, c'était la meilleure année de ma vie sur le plan personnel, sur le plan académique, autant dans la rencontre de gens qui partageaient finalement mes convictions, qui partageaient mes envies pour l'avenir, mais aussi une formation académique qui est de très haut niveau et qui nous permet à tous de se lancer dans des carrières européennes. C'était une année magnifique, c'était une expérience unique. Je ne connais pas d'autres établissements qui offrent cette excellence européenne et cette niveau professionnel. Comment résumer cette année à Anatoline ? Le premier adjectif qui me vient en tête, c'est le mot intense. Intense aussi bien sur le plan académique que sur le plan humain. Des rencontres vraiment exceptionnelles, des amitiés pour le coup, ce n'est pas une légende, des amitiés à vie. Et beaucoup d'opportunités à côté du parcours académique pour développer son réseau professionnel. On est poussé au-delà de ce qu'on pense être nos limites. On va avoir beaucoup d'exigences et c'est très très intense. Mais c'est également très formateur en fait, on apprend beaucoup. C'est vraiment une des forces du cursus, c'est ce que j'étais venu chercher, le côté interdisciplinaire, de pouvoir croiser différents regards sur une même question. Et c'est toujours très enrichissant et ça, on l'a vraiment trouvé ici. Et puis surtout, je pense que c'est des amitiés qu'on va garder pour très très longtemps. C'est des liens très forts qu'on crée tout au long d'une année. Je pense qu'ils vont perdurer bien au-delà de l'atelier. Ça m'a vraiment énormément apporté. J'ai rencontré des personnes extraordinaires. J'ai appris non seulement à vivre, mais aussi à travailler avec mes potentiels futurs collègues. Et je dirais que ça a été une année formidable que je ne changerait pour rien au monde. On a vécu 24 heures sur 24 quasiment ensemble à plus de 130 personnes. Vous devenez un membre d'une communauté internationale, 30 nationalités, c'est même pas imaginable, c'est incroyable ça. Il faut savoir que pour intégrer le Collège d'Europe, on est 70% à être boursier. Moi-même je suis boursière, je bénéficie de la bourse de la politique européenne de voisinage. Cette bourse-là m'a permis de venir étudier au Collège d'Europe, collège que je n'aurais certainement pas pu m'offrir avec mes moyens. N'hésitez pas à postuler au Collège d'Europe Anatoline, c'est une aventure humaine mais aussi très enrichissante professionnellement. C'est la meilleure expérience de votre vie, alors foncez.